Riders ready, watch the gate. Catégorie d'équipe, testé dans l'école encore. Un très très bon départ de Antoine Adam, Dorian Thierry. A mis un petit peu du temps à se mettre en route, mais ça y est. Le Messulien a lancé la mécanique d'Orian Thierry, Antoine Adam. Et là, pour l'instant, Pontelix avec Mathis Gérard en troisième position. Grosse bagarre. Par contre, au niveau de la quatrième position, quatrième position, où l'on retrouve pour l'instant, provisoirement la plaque numéro 16, c'est Lucas Butler. Lucas Butler, c'est lui qui devrait aller chercher la qualif, même si on a la remontée de Baptiste Dupuy, mais ça suffira pas. Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Dans cette demi-finale avec notamment les deux plaques 78 et Esteban Meyer, le Vésulien qui vient de sortir comme un lion de cette première ligne droite, occupe maintenant la deuxième position, puisque devant, il y a un homme qui semble intouchable aujourd'hui, c'est Thomas Peteuil, le pilote du Bonne-Bélix, et la bataille d'Ouk, oh là là, incroyable coup de théâtre, je vois maintenant ce que je manque. Il part à la faute, il laisse la porte ouverte. Il va le meilleur, le Vésulien, en tout droit pour la qualif, la remontée là également, de Maxence B. Un autre vidéo d'un dernier instant prend le meilleur, Jonathan Magoudry, le solo est quatrième et donc la grosse surprise, l'élimination de Maxence Piton dans